Hello tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dawn of Gods. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de vidéo, mais une chose qui est sûre, j'avais dit que c'était une vidéo serveur, mais tout comme fait, c'est Dawn of Gods. Je m'explique pourquoi. Tout simplement parce que, alors que j'ai voulu tourner... la vidéo serveur, comme que c'est un serveur français et que les Français sont 5-6 heures d'avance sur nous, alors il n'y avait pas un choix. Il n'y avait pas un choix pour ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je fais cette vidéo à la place. De toute façon, c'est la vidéo que j'avais prévue. C'était la prochaine vidéo que je prévoyais faire. Ouais. Petite affaire, vous annoncer. Vous savez, dans la dernière vidéo de Clash of Clans... Ah oui, c'est vrai. Je disais... Dans la dernière vidéo de Clash of Clans, comment dire ça? J'ai continué quand même, j'ai joué quasiment toute la journée. Honnêtement, là, j'ai joué pratiquement toute la journée. Plus qu'on avance, plus que. Faut que tu fasses des 100% absolument si tu veux. Au minimum, je vous dis, au minimum, rester à 0 trophée. Ah! Je me suis rendu à... combien? 437 avec mon village principal, puis je n'étais même plus capable de monter. C'est soit que je restais à 0, soit que je descendais. Si je ratais, je descendais. Si j'avais 100%, c'est nul. Qu'on se retrouvait qu'il y avait 100%. C'est une fois sur 20 quasiment. Quasiment une fois sur 50 même. Que. Bon, c'est une fois sur 20 à peu près. Que j'avais. C'est à peu près une fois sur 20 que je réussissais à monter. Oh, pénible. Qu'est-ce qui est dommage par contre? Vous savez, quand on attaque, là, dont on va attaquer maintenant, quand même. Oh, pourquoi pas. Ah ouais, c'est vrai, il est passé, c'est vrai. Bon. Vous montrez ça concrètement. Oh, intéressant. Vous savez, les bonus qui sont ici. Après un certain nombre de bonus accumulés, t'en as plus. Ouais, t'en as plus de bonus. Faut attendre peut-être une vingtaine d'heures. C'est pas une journée. Pour ça, par contre, je suis déçu de cette mise à jour. Mais en général, par contre, j'aime bien cette mise à jour. Pas à cause qu'une chose, je ne sais plus si c'est une guérite. Ouais, c'est lui qui guérit. En général, j'aime bien cette mise à jour. C'est juste cette chose à faire en particulier que j'aime pas trop de cette mise à jour. Sinon, en général, j'aime bien cette mise à jour. C'est juste ça. Puis allons, c'est plate là. D'avoir des. Pas de trophées. C'est plate. C'est comme si tu attaquerais quelqu'un. Puis si t'as au moins une étoile, tu garantis.
C'est que tu perds pas de trophée, mais d'un autre côté, tu peux toujours te faire avoir. Si tu le perds, par contre, t'as moins, exemple, moins 30 trophées si tu perds. Si tu perds, t'as moins 30 trophées, mais t'as aucun trophée, t'as un trophée. Un étoile. C'est à peu près la même affaire. Si tu perds, t'as moins. Pas de trophée. Si tu as 100%, à un moment donné. Puis si l'autre aussi a 100%, c'est comme si tu garantirais que t'as de pas descendre. De ce côté-là, je trouve ça dommage. Il devrait faire un ajustement, puis au moins avoir quelques trophées supplémentaires, parce que sinon, ça va être long pour monter. Très long. Comme que je dis, j'ai expérimenté tout ça. Les troupes, qu'est-ce que ce qui est bien, c'est que si on a une caserne, là j'en ai deux. Non, deux camps militaires. J'ai 100% pour ça. J'ai deux choix de troupes. De sortes de troupes. C'est. Puis là en ce moment, je suis rendu à 16 barbares parce que j'ai monté. Augmenté mes barbares jusqu'au niveau 3 ou 4. Je pense que c'est 4. Je suis rendu à 16 barbares. Sinon. J'ai débloqué aussi les serviteurs que j'ai utilisé des gemmes parce que je voulais absolument. C'est assez pratique aussi. Parce que si tu détruis la tour d'archer, automatiquement, vu qu'il y a trop de défense, tu as 100%. Puis vu qu'il faut avoir 100% pour garantir la victoire, ou garantir le nul plutôt, dans ce cas-ci, c'est assez pratique. Au moins avoir quelques trophées là, d'égalité, quoi. Sinon là, ça va être long. Donc tout le monde, on va se mettre en contexte, tout le monde a 100% tout le temps. Tout le monde a zéro trophée tout le temps. Alors tout le monde, personne peut monter ou descendre. Alors donc ça vient plate. De ce côté-là, là, ça vient plate. Alors, c'est ce petit. J'aime bien cette mise à jour, mais ce nouveau mode. Mais c'est juste cette petite affaire que j'aime moins. Puis pour les ressources, c'est plus difficile. Faut vraiment se fier avec les extracteurs et mines pour au moins avoir quelque chose. Car sinon, on s'en sort pas. Ah, tout. J'ai dû utiliser des gemmes, justement. Parce que je m'en sortais plus. Je m'en sortais pas. C'est pour ça. Sinon, comment j'aurais. On fait une attaque, puis on a plus de bonus à un moment donné. Puis encore là, il devrait au moins avoir. Au moins peut-être 1000$ de bonus. Pour nous, ça serait gros au début, mais plus qu'on avance, plus ça serait rien. Au moins, on aurait un petit revenu. 1000$ d'égalité, 2000$ de victoire, exemple. Ou 500$ d'égalité, 2000$, peu importe. Mais ça serait bien. Puis de défaite, c'est sûr qu'on en aurait pas. On s'entend. C'est juste ce petit côté-là que je suis déçu. Qui devrait ajuster. Sinon. C'est une bonne mise à jour. Honnêtement, là. Puis mise à jour pour Clash of Clans normal aussi. Pas juste Clash of Clans, le deuxième village, c'est le premier village qui est intéressant. Avec les duplications, morciers et canons. Ça, c'est très intéressant. Toutes mes ouvriers sont
sont occupés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré ça, j'ai amélioré ça. J'ai amélioré ça, ça. Je pensais que c'était 5 millions. Non, c'était 500 000. Ça, je pensais que c'était 2 millions, mais non, c'est 200 000. J'ai confondu juste un moment, habitué de voir des. Bon, 600 millions. J'ai confondu les milliers en millions. Tellement que je suis habitué. Ah, je l'avais pas vu, lui. Je ne l'avais pas vu. Sinon, ça avance bien. Ce côté-là, mon village avance bien. Le clan est mort. L'alliance, plutôt, est mort. Faut le recrutement. Vous pouvez toujours venir. Faire du recrutement comme ça, je vais faire enlever les inactifs puis ressusciter l'alliance. Parce que là, l'alliance est pas mal mort. Là. Ouais, on peut dire seulement, mais il est mort. Sinon, mon village principal. Alliance. Je sais de là, les autres sont tous inactifs depuis bien longtemps. De toute façon, je voulais voir cela. On peut voir. Je suis en train d'améliorer ça au niveau 6. Je suis en train d'améliorer ceci au niveau 6 aussi. Lui est presque fini, puis lui. Il vient de commencer. J'ai amélioré ça aussi. Après ça, je vais améliorer ça. J'ai amélioré une affaire là-dedans. C'est à peu près ça. Mon village. Pourquoi j'en ai amélioré autant? Ça, c'est de là. Celle-là. Celle-là, c'est tout simplement parce que sont pas à niveau. Lui aussi. Il est pas au même niveau que les autres aussi. C'est le dernier qui reste à améliorer. Points 4 millions. 1,6 millions. Sinon, ça avance bien en général. En général, ça va bien. J'aimerais ça vous parler de la ronde. Ah, j'ai été en dimanche le 21 mai 2017. Puis j'ai vu le nouveau manège, le Titan. Qui a l'air entre 2 à 5 fois plus grand que le Manitou. J'avoue, là, ça a l'air 2 à 4 fois plus. 2 à 5 fois plus grand que le Manitou. Je sais pas encore combien la différence. Les mesures exactes. Donc je vais faire des recherches. Mais jusqu'à date, c'est une bonne grosse différence. Puis sûr et certain 100% que je ne le fais pas. Autre affaire. Et suggestion. J'ai essayé à la ronde quelque chose. Un restaurant. Puis ce restaurant, j'étais très satisfait. Si vous voulez manger de la poutine. Mais la poutine pas normale. Absolument, je fais une poutine plus. Qui a pas mal de choix. Exemple du bon spaghetti. Wow. La bonne poutine au bacon. Mais cette fois-ci, il s'appelle Jerry. C'est un véhicule mobile qui est restaurant.
Et ceci propose cela. Poutine avec porc effiloché. Qui c'est bon. Ça fait vraiment changement que de bien. Ça fait changement, je trouve. J'ai toujours mangé les mêmes affaires, ça faisait changement. Puis ils se sont vraiment concentrés cette année à la ronde pour améliorer le côté ou que du vampire et tout le kit. Et justement, ce côté-là, pour ceux qui connaissent le Cobra, je vous annonce officiellement qu'il est fermé définitivement. Et pourquoi? Parce que ils vont le démolir. Et pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Mais comment je le sais? La première chose que j'ai remarqué que donc je me suis dit, ah, il est fermé. Puis en regardant sur place, il y a des clôtures. Alors ils vont démolir le Cobra au fil de la saison. C'est dommage quand même. Mais faut qu'ils renouvellent quand même aussi. Et le nouveau, qui est le Titan, où qu'ils l'ont mis, c'est l'ancien go-kart. Il y avait un go-kart avant. C'est là, puis c'est à la même place qu'il y avait autrefois, avant le go-kart, un hélicoptère. Il est là. Le Titan. Ils ont vraiment priorisé toutes les nouvelles affaires de ce côté-là. Qui est bien. Côté du vampire, toutes les nouvelles affaires sont toutes du côté du vampire. Sinon, l'autre côté, il n'y a absolument rien de différent. Absolument pas. Rien de différent. Bon. Quoi d'autre? Sachez que le vidéo serveur, je le ferme, mais faut que je sois dans les heures. Les heures de la France. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Je risque de le tourner en avance, puis après ça, on se rend. Puis, Hearthstone. Hearthstone. Il va y avoir qu'une affaire. Je vais fumer à chaque fois. Mais si je suis pour perdre, vous ne le verrez pas. Je vais refaire, refaire et refaire. Juste qu'attends. Que je réussisse à gagner, puis là, cette fois-ci, vous allez le voir. De toute façon, je vais le dire combien de fois j'aurai recommencé. Prédiction. Au bout de la sixième fois. Je sens que ça va être long. À moins par miracle, le prochain coup, je l'ai. Faut que j'ai vu. En revoyant la vidéo au montage, Hearthstone, un mot ou deux, je m'en souviens même plus. J'ai remarqué ceci. J'ai fait une grosse erreur. J'ai voulu détruire certaines troupes. J'ai détruit d'autres troupes. Sachez que nous sommes toujours dans le tutoriel. Ouais. Nous sommes toujours dans le tutoriel. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo informative quand même. Blabla comme d'habitude, c'est rendu mon blabla qui est rendu ici. C'est sûr que ça aurait pas pu être la dernière vidéo de Clash of Clans. Et pourquoi? Parce que Clash of Clans c'était une mise à jour, puis une mise à jour. On s'entend que c'est pas la même affaire. Donc ça, on voit pas trop les mises à jour, puis ouais, les mises à jour là-dedans, m'en fous. De toute façon, il y a très peu de youtubeurs qui font du Dane of Good. Je parle de youtubeurs français. En français. Pas français, mais... Je sais même pas s'il y en a des français qui font ça. Probablement. Des Québécois. Aucune idée non plus aussi. Mais je parle des youtubeurs qui parlent français. Avec ça, la dernière fois que j'ai regardé Funtubot, j'avoue,
J'étais dans les meilleures propositions. Juste pour vous dire, c'est la 10e vidéo. Sachez que je risque peut-être un moment donné d'arrêter la série. Quand? Je n'ai aucune idée, ça va être. Quand je vais déterminer que ça va être arrêté. Pour l'instant, je vais continuer. Mais. Soyez pas surpris que j'arrête un jour cette série. Manque de motivation de cette série. Tout simplement. Ouais. Je suis moins dessus, honnêtement. J'ai passé deux, trois, plusieurs jours sans aller sur Dane of God. C'est quel pays. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de choses à faire au courant de la semaine dernière. J'avoue. Mais c'est ça. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dane of God. Alors je vous dis merci à tous.